chaussures, je commence à être un peu limite. Enfin, je regarde où est mon cordonnier. Peut-être par là, mon cordonnier, je crois. La tannerie, elle est là. Ouais, je suis un peu léger encore. Le problème, c'est qu'il faut vraiment des habitants. Il faut vraiment des habitants, en fait. Une personne pour l'instant. La deux personnes. Marchand itinérant est présent. Parfait. Qu'as-tu à m'acheter? Est-ce que t'as un banc ne m'intéresse pas en fait. Ah si, attendez, il a des chèvres. Il a des chèvres et elles sont pas chères. Donc ça m'intéresse par contre. Alors, excusez-moi mon bon monsieur, est-ce que vous voulez bien m'acheter pour 100? Ça ferait 1600 balles. 80. Vendre les objets. On achète 3 chèvres. 3. Acheter et stocker. Oui, on confirme. Et là, on met au moins un employé. Pas deux, mais au moins un. Normalement, est-ce que on peut pas... Ça, c'est bon. Et pourquoi le champ là Comment on peut Faudrait que je comprenne le système, mais Après, qu'est-ce qu'on peut vendre? Ouais, la brique, c'est non. Ah, ouais, on pourrait acheter des bœufs aussi. Ils vendent 6 vaches. C'est vrai qu'ils vont avoir des choses intéressantes en fait. Le truc, c'est qu'il faut, construire les bâtiments nécessaires aussi. C'est pas top, mais on peut lui en vendre une cinquantaine, non? Est-ce qu'on n'achèterait pas une chèvre de plus? Et 4 chèvres. Normalement, on peut. Par contre, est-ce qu'on peut amener du. Définissez la zone de pâturage? Oui, bah oui. Elle est là, elle est même très bien. Pas mal, donc normalement... Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une ferme de pâturage champ? Est-ce que... Merde. J'ai du pâturage là-bas dedans? Ça, c'est du foin, ok. Mais j'ai pas spécialement du pâturage. Hein. C'est pour agrandir le champ, mais non, c'est pas ce que je veux. Un animal d'élevage est né. C'est bon, ok.
Donc le four, ok, d'accord. Donc on a réussi à mettre du foin, c'est bien. J'avais du foin en stock, donc ça m'étonne un peu. J'en ai 205, donc c'est pas non plus des quantités faramineuses. Mais ça m'embêtait un petit peu de me dire que. Par contre, on va avoir des tonneaux. Ça, c'est cool, les tonneaux. On va pouvoir les mettre dans les bâtiments et ça va permettre de résoudre un peu le problème de nourriture qui se périme. Et après, il faut qu'on parte sur la briqueterie. Par contre, il va peut-être me falloir une autre charrette pour ce côté-ci du monde. Après, par contre, est-ce que j'arrive à faire assez de compost? Il m'en faut un deuxième de compost pour là-bas au fond. Mais il le faut vraiment loin des habitations, par contre. Parce que le truc de compost, c'est infrastructure, compost. Il est où? C'est pas dans l'infrastructure le compost? Grange, enclos à chèvres, boulangerie. Et on va le mettre en pause pour l'instant. Il est où le truc de compost? Il est là. Et oui, ça normalement ça baisse fortement la qualité des gens de ce qu'il y a autour, quoi. Faire un deuxième et on va voir si on arrive à le tenir deux. Si lui il arrive à me sortir des tonneaux. Par contre, il faut qu'il soit deux. Hein. Ah, ils m'en ont déjà produit 30. Briqueterie, Ok, on a quand même du monde qui rejoint la colonie, c'est déjà pas mal. 17, 18, ok, d'accord, on a 18 personnes. Il faut 18 personnes et 8. Et 8 personnes. Donc ok. Donc là maintenant, faut vraiment pas qu'on construise. Enfin, faut qu'on construise, mais pas trop non plus. Le problème, c'est que je viens de lancer un peu trop à construction. Peut-être que là. Enfin, si on le met là et qu'on fait tourner les champs, normalement, on peut faire tourner les champs, etc. Et ça pourrait permettre de... Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça demande de retravailler le champ. Mais. Par contre, on peut faire des pavois, je crois. Hein. Ah mais non, faut faire l'armurerie pour ça. Et l'armurerie. Ça demande bien du fer.
On va faire quelques trucs pour qu'au moins nos gars commencent à être un peu armés, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai quoi? J'ai pas d'armes. Les outils, c'est un peu chaud. Je pense qu'on va plutôt partir sur deux outils. Trois outils. Deuxième, tant pis, mais il faut que ça forgeonne, ça fasse quelque chose, quoi. Ah, par contre, les planches, elles vont prendre des claques, hein. Les planches et la pierre. C'est vrai que la pierre aussi va prendre des claques. Est-ce que j'ai de la pierre que je peux travailler? Récolter la ressource. Récolter la ressource. Et là, on a minerai de fer et gros minerai de fer. Est-ce qu'on peut envisager... Des noisetiers. Alors par contre, j'ai l'impression d'avoir pris des claques quelque part. Le compost, j'ai bien une personne. Lui, pour l'instant, c'est pas lancé en construction parce que j'ai pas de quoi faire. La briqueterie, on mettra qu'une personne. Je vais voir si on peut attaquer le camp de pillard là-bas. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on s'y attelle, hein, les camps de pierre, mais il faut vraiment que... Par contre, j'ai du monde. Et là, il faudrait trois de nourriture et des choses, ouais, mais après, il faut... Non, faut qu'on achète de la pierre. Si on peut, il va falloir qu'on achète de la pierre. Et en grande quantité pour vraiment satisfaire nos besoins en pierre. Le truc, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de deux personnes? Je suis pas sûr pour l'instant d'avoir spécialement besoin de deux personnes. J'ai beaucoup de. Ah, j'ai 164 de minerai de fer. La pierre, je suis un peu à poil. J'ai du mal avec le poisson ici. Là, c'est quoi? Ça, c'est du minerai de fer. Ça, c'est du charbon. Mais ça, il va falloir qu'on lui, on le gère. Parce qu'il me bloque beaucoup de choses, hein. Des champignons, il me bloque du noisetier, du saule. T'as la possibilité, toi, de travailler là-bas. Camp de travailleur, là, il fait bien de la pierre et tout. Une personne pour l'instant, s'il vous plaît. Il a produit deux tonneaux. Ils sont mis où les tonneaux? Est-ce qu'ils sont stockés ou pas? Pas utilisé. Ah, d'accord, les tonneaux sont utilisés quand même. J'ai un tonneau d'utiliser. Comment on sait où sont les tonneaux?
Est-ce que... Là, il n'y a pas de nécessité d'avoir un tonneau. Est-ce qu'il est utilisé là-dedans? Non plus. Bon, les tonneaux vont se faire au fur et à mesure, donc c'est bien, mais... Là, je vois que j'ai bien un tonneau ici. Je sais pas où le deuxième est utilisé, en fait. Là, d'accord. Ce qui est pas mal. Il y a quand même pas mal de ressources. Bonus par tonneau 5%. Réduction de péremption de 5% déjà. C'est pas tout à fait rien. Cabane de chasseur. Les cabanes de chasseur, il va peut-être falloir les améliorer à un moment. Alors, pas spécialement le choix. Et tu vas chasser où, toi? Là-bas. Ça te dirait pas de chasser le sanglier aussi? J'aime beaucoup le principe. Elle est là-bas pour l'instant, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'attaque au loup. Dès qu'on le pourra. Après, il faudra voir si ça, on va pas le passer en pierre et après fermer ici la zone des artisans, peut-être plus tard. Faudra voir et faire quelques petites maisons dans le coin. Ça demande du cuir en pagaille et je produis pas suffisamment de cuir donc j'ai bien peur que ouais mais on va être obligé de toute façon on peut produire du cuivre mais du cuir avec les chèvres ou pas hein? Non, on produit surtout du lait. Le lait, on va pouvoir faire du fromage avec. Merci à toi, Maro, et bonsoir à toi, comment vas-tu? Oh, 99 légumes, ça fait beaucoup. Ça va, merci. Ça va, ça a l'air de redescendre sur de l'eau. Ah oui, il y a de l'eau là. Est-ce que j'ai assez de chaussures pour mes gens? Chaussures, tous les voyageurs portent des chaussures, ok. Taux de travail 106%, ouais, mais on est. Oui. On est quoi. Par contre, est-ce qu'on a beaucoup de. On a 32 de pain. On a de quoi faire encore un peu de farine. On n'est pas en complet au niveau de la farine, mais. Par contre, c'est surpris, j'ai envie de le démonter. Hein.
Le truc, c'est que je sais pas avec combien je peux le démonter. Si 4 soldats, c'est suffisant. 4 soldats, une mine se tarit. D'accord. Elle est bien à 0. Non, on peut pas relocaliser. Bon, on va le recycler, oui. Et on va refaire cette mine-là. Pire en approche, et merde. Ils arrivent par là-bas, forcément. Oui, ça m'aide pas, ça. Le problème, c'est que là, ça s'est pas défendu et ça risque de se faire piller gravement. C'est pas ça. Pause, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi ce que... Donnez-moi. Voilà, déjà ici, ça va ira mieux. Le chasseur. Ici. Je crois qu'ils sont partis avec des biens cette fois-ci, hein. Ouais, j'ai bien peur qu'ils soient partis avec des biens cette fois-ci, hein. Ouais, il va falloir une tour par ici, hein. Je vais pas avoir le choix, hein. À pêcher là-bas. C'est pas fameux, hein. Ah, il y avait des marchands. Oui, pardon, excusez-moi. Ah, toi, t'achètes ça, 90. Est-ce que tu prends 90? 1200 balles, oui. Qu'est-ce qu'on peut t'acheter? Il me serait intéressant. Ça, c'est quoi on a dit? Forgeron et armurerie travaillent 20% plus vite. Pour l'instant, c'est non. Par contre, on va t'acheter 200 de pierre. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu achètes encore? Tu achètes du charbon. Mais pour l'instant, c'est non. On n'avait pas une ciergerie qui était censée fonctionner aussi? J'ai pas vu de cierge, moi, encore, hein. J'ai pas une ciergerie? Poterie.
Ah mais d'accord, mais ils sont utilisés directement par les gens, oui, donc... Ça marche beaucoup moins bien. Ouais, achète-moi tout mon savon, s'il te plaît, j'ai besoin de thunes. Qu'est-ce que tu peux me vendre? Des briques. On va t'acheter 200 de ça. 300, ça sera pas un mal. Acheter à cheminée. Ça, c'est du lin, donc non, ça m'intéresse pas. Et ça, je vais t'en acheter 300 aussi. On est gagnant au change, donc ça va. On aurait des chevaux qu'on pourrait acheter, mais les chevaux en l'état, même si ça m'intéresserait, le problème c'est que les chevaux, compliqué. On va dire compliqué. Ok, bon bah on est pas mal. Et on a encore perdu des gens. Ouais, mais il faut une tour, il faut quelque chose, hein. Il va falloir protéger ce secteur-là. Parce que ce secteur-là est important, donc un villageois est mort. Merde. Parce qu'on aurait besoin de mettre un mur ici, je pense. Et enfin, faire une porte ici, ici, là aussi. On ferme le tout et déjà, on devrait se protéger un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Objet pillé, aucun. 8 villageois tués, 8 pillards tués, taille de l'excursion 19. Ouais, il faut qu'on fasse plus de gardes, mais le problème c'est que plus de gardes, moi je veux bien, hein, c'est pas le problème. C'est que plus de gardes. Il va falloir entraîner plus de gardes. J'entends. Bien ça, le truc c'est que j'entends tout à fait. Mais il me faudrait plus d'habitants. On va pouvoir faire ouais, la ciergerie. On peut pas avancer, quoi. On va faire la fromagerie ici. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais fermer ici. Et comme ça protégera cette zone-là. On pourra mettre des archers sur cette route-là et sur cette route-là. Ça sera protégé en deuxième front. Quitte à ce que même on fasse une route qui aille de là à là. Et là, on met une porte et on ferme, quoi. Qu'on puisse commencer à faire du fromage. Parce que la fromagerie, nourriture, fromagerie. Ouais, ça demande des briques. Mais j'ai des briques, j'ai combien de briques? J'ai 15 briques. Ouais, mais je pense que ça va commencer par améliorer. Ouais, on va commencer par tout ce qui est pour la nourriture. Hein. Donc les briques vont être utilisées pour ça d'abord. Hein. Par contre, on va améliorer des routes principales. Déjà, ça devrait permettre un petit peu quelques trucs. Parce que ça, c'est quoi? C'est plus d'argent, durabilité augmentée, taux de péremption augmenté. Ouais, je crois que ça va être tout ce que. On va partir d'abord sur de l'amélioration des bâtiments de nourriture. Je pense que c'est ce qui va être le plus urgent. Pour avoir le moins de.
de péremption possible, quoi. Et ça nous permettra d'avoir plus de nourriture, donc d'attirer plus de monde. Ok, on a une route principale là qui vient de se faire. C'est bien. Et je pense que c'est ce qui va arriver. On va tirer une route de là à là. Là, je vais foutre une porte. Et puis on va partir de là-bas. Et je pense qu'après, lui, le camp de travail, il va se retrouver par là-bas au fond. Mais il va falloir qu'on remonte notre nombre de soldats, hein. Ok, on a quand même un nouveau villageois, c'est déjà pas mal. Le chasseur contre les loups, il fait un bon boulot, hein. Donc le chasseur là-bas, il est bien, il est plutôt pas mal. Le chasseur qui est ici, on va le caler là, et je pense que ouais, ça va être, on va essayer d'améliorer tous les bâtiments qui sont en lien avec. Alors là, il faut combien? Il faut 35, ok. La briqueterie, il faut quoi? Il fait 20 à l'année. Ouais, bah pour l'instant, c'est déjà pas mal, hein. On va. Tant qu'on n'a pas plus de gens. Ok, déjà, ça va pouvoir se déplacer plus vite en ville. Il y a des routes qui vont devenir un peu essentielles, hein. Plus certaines, 53 d'attrait, 50 d'attrait, c'est plutôt pas mal, hein. Mais il leur faut beaucoup plus pour pouvoir progresser. Les prédateurs attaquent. Ah! Laisse la chef tranquille. On a quand même 6 chèvres. Parfait. Très bien. On a déjà gagné des routes principales. Alors peut-être qu'on se fasse cette route-là aussi, puisque je voudrais la faire partir ici. Mais avant de faire partir comme ça, il va falloir d'abord faire toute la muraille, je pense, tout ce qu'il faut. Alors je verrai si je casse cette muraille par la suite ou pas. Mais il faudra quand même peut-être des tours à quelques points un peu stratégiques si jamais il y a une incursion. Qu'est-ce que quoi? Des trucs par sécheresse, d'accord. Ouais, c'est. Alors, on est à combien? 13. Ça augmente un peu.
Ok, on a protégé le chasseur, c'est bien. Et il nous manque du suif. Comment on l'obtient, lui? À partir de quoi on l'obtient? C'est pas à partir de... Non, mais il produit juste ça. Ah, c'est le chasseur qui en produit. Hein. Alors qu'on s'achète du suif. Ouais, mais attends, on peut diminuer dans ces cas-là le nombre de personnes. Ça m'embête un peu, ça reste une grosse source de revenus. Après, le plus grosse source de revenus, c'est celui-là. Donc, de toute façon, mettre 100. Ça, c'est sûr que c'est ce qui produit le plus. 70. Ah, le miel, on n'a pas à le vendre. On a une arme. Un peu de difficulté. Ouais, la poterie, on a forcément un peu moins parce que. Tisserand. On est gros en lin encore. 356. C'est que j'aimerais bien mettre des gens, mais c'est pas la bonne idée non plus de trop forcer sur le. Sur le manque d'ouvriers. Déjà, il faudrait peut-être que j'augmente ma ciergerie, mais. On n'a pas trop été attaqué. Enfin, je pense que les prochaines attaques vont peut-être venir par là. On va voir. Si on arrive à voir 15 personnes qui rentrent dans la colonie, ça va être intéressant. On va pouvoir remettre correctement les choses. Après, j'ai quand même des tonneaux qui se mettent en place. Là, j'ai pas de tonneau ici. Par contre, j'ai un tonneau là-dedans. Ça me fait plaisir, ça. Le tonneau là-dedans, il a produit combien de tonneaux, le gars? 4 tonneaux. Il les a bien calés quelque part. Ah, 2 tonneaux ici. Après, là où on a mis les chèvres, si on arrive à avoir de la. Après, l'idée, est-ce qu'on ferait pas. On va le construire, ce bâtiment. On va le construire. Si jamais on a des vaches, il va nous en falloir. Parce qu'après, les vaches nous fourniront de la viande et des peaux. Et on a besoin des peaux pour les vêtements. Donc clairement, ça va devenir important. Allez, on a 35 briques. Est-ce que lui, on peut l'améliorer? Ouais. Ça travaille dur, hein. Essaye de garder bien les chèvres. On a un peu de pierre aussi, on pourrait augmenter les... Et puis, ça augmente l'attrait, mais là, c'est vrai que j'ai pas trop besoin de ça pour l'instant, tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est pas le besoin immédiat. Ce serait plus exact. Alors, tu m'excuses, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se fait des loups, c'est bien ça. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux m'acheter?
Des vêtements. Des vêtements. Est-ce qu'une centaine de vêtements, ça te dit? Oui, 1900 balles, c'est parfait. Qu'est-ce que tu peux nous vendre? Tu as des outils. Non, pour l'instant, ça, on n'a plus tellement besoin d'elle. À la rigueur, pour quelques outils. Vraiment, mais. On va rien lui acheter pour cette fois-ci, je pense. On va faire avec notre production. Ouais, non, on va pas non plus trop lui piquer. Parce qu'elle a vraiment plus d'argent, la pauvre. Deux animaux d'élevage sont nés. Oh, mais on commence à avoir un bel élevage caprin, là. On pourrait abattre. Abattez-moi deux bêtes, s'il vous plaît. Pour l'instant, on va abattre deux bébêtes. On a eu deux naissances, on a bah, deux adultes. Ça nous fera un peu. Alors, ça fait un peu moins de lait, oui, mais. Est-ce que c'est vraiment le problème immédiat? Je pense pas. Je me pose la question si lui, je vais pas le caler ici. Qu'il soit en intérieur. Proche des zones de déplacement, mais par contre, il va falloir sérieusement que je recrute du soldat. Et pour ça, il faut sérieusement aussi, purée, 4 en bas âge. Je suis si faible que ça en natalité? Taux de naissance 82%. C'est les réserves de nourriture qui sont vraiment pas ça. Hein. À d'autres marchands. Ouais, j'ai du mal, même avec le poisson. Hein. On va acheter de la nourriture. Hein. Et lui, il achèterait des herbes médicinales. De la pierre, des armes. Oh, là, il y a un truc à se faire là. 4. Est-ce qu'on peut lui en acheter pour 400? Acheter à cheminée. Ça, on peut en acheter pour 200 aussi. Je pense que c'est. On serait pas mal. On pourrait lui vendre du miel, 100 de miel vendu avec plaisir. Et on pourrait acheter le bois du Grand Esprit. Les cabines de chasseurs produisent 30% de viande en plus. On va lui l'acheter. On va lui l'acheter. On va lui vendre nos herbes médicinales là, pour se faire un peu d'argent. Je pense qu'on peut mettre 30 ici, ça sera sans problème confirmé. Et pour l'instant, le miel, je pense qu'on peut en mettre 90. On va en remettre de côté. Je vais aller vérifier mes ruchers, histoire de. Ils sont où mes ruchers? 89%. Ça produit, hein. Peut-être qu'on en repose. Ah, le chasseur, il dégomme du loup.
Ça dégomme du loup fort. Oula, j'ai plus de bois. J'ai plus de bois du tout. Il va falloir que je défonce du bois, hein. Voilà, le chasseur s'en occupe. Et là, j'ai plein de personnes qui débarquent. Ça fait plaisir à voir ça, les personnes qui débarquent. Bon, par contre, j'ai plus de bois. Il manque du fer, oui, bah. Deux fonderies de gains en plus, mais c'est par anticipation quoi, mais c'est pas le truc à faire. Oui, 15 personnes en plus, oui, il n'y a aucun problème, hein. Je vais pouvoir prendre des soldats d'ailleurs aussi. On va embaucher du soldat, hein. Il me faut 3. Recruter tout ça. Hein. Moi, je veux que ça s'arme. Hein. Je veux que ça s'arme. Hein. J'ai combien de flèches par hasard? 260 flèches. Peut-être augmenter un peu le taux de flèches. Il va peut-être falloir que je fasse un deuxième camp de travail. Hein. Camp de travail. Où sont les camps de travail déjà? Alors, c'est ressources. Camp de travail. Et on va les foutre pour travailler par ici. Que ça défriche un peu la terre par là et que ça nous rapporte du matériel parce que... Je suis à zéro en or. Êtes-vous sûr de ça? Ils sont pas même payés. On est juste à zéro là? Alors attendez. 37 pour 37, ok. Et après, on est... Ah oui, on est vraiment à zéro quoi. Non, mais arrêtez vos conneries, j'ai ce qu'il faut. On peut s'entendre, non?
C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un village. Enfin. Faire un logement pour être sûr d'avoir le petit plus qui fait que, mais. Je vais peut-être augmenter celui-là. Je suis à moins 4. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout là. Je pense qu'il va y avoir deux chasseurs qui vont tourner là-bas, hein, parce que normalement avec les quatre maisons on devrait pouvoir toucher de l'argent en plus, mais enfin j'espère. Elle est dans la ranch, donc ça c'est bon. Ah, ça c'est non. Et définir un pâturage, par contre, on va faire comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Il est immense le pâturage des bœufs. Peut-être que je fasse un point d'eau par ici. Mort de vieillesse, 74 ans. Belle mort. Belle mort, belle mort. À 30 d'attrait quoi. Alors après il y a ça qui baisse un peu l'attrait, mais je pense qu'on va pas aller trop loin ici. On va peut-être faire ça, un truc comme ça ici. Si je fais ça, non c'est pas ça, c'est ça qu'il me faut. Mur et chemin, non, défense, pardon.
1, 2, 3. Ma défense et ça. Je pense que ça va être un peu un truc comme ça. Hein. Une porte ici et... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et il va y avoir certainement une tour. Le problème, c'est que la tour, c'est bien de la mettre, mais non, pas ça. Une tour de défense, s'il vous plaît. On aura fait des dépenses et j'ai 30 briques. 30 briques, ça veut dire que je vais pouvoir améliorer un stockage. Et j'avoue que celui-là, il est plutôt intéressant. Il a déjà deux tonneaux. L'améliorer me ferait grand plaisir. Et là, je pourrais caler de l'eau et des décorations. Et ça pourrait tout à fait le faire. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont amélioré ça? Oui, ils ont amélioré ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Des petites carcasses, carcasses de sanglier, carcasses de loup. Ils peuvent poser des pièges. Oh, il fait un carnage, hein. Sauf qu'est-ce que les pièges, on peut les poser? Pièges pour animaux. Et il est où mon chasseur? Deux enfants ont grandi, parfait, bonne nouvelle. Je crois que je vais vraiment caler de l'eau. Ouais, mais attends, j'ai pas de l'eau par là? Non, j'ai pas d'eau, mais ça serait quand même pas inintéressant. C'est pas en stockage, c'est peut-être en ressources. Je vais caler un puits par ici. Parce que je vais avoir quelques maisons ici encore. Mais là, on va certainement fermer là. C'est quoi ça? Garde, cherche des armes. Ah non mais d'accord. Ça c'est non. Ok, j'ai 18, mais j'ai pas encore assez d'ouvriers. Manque un peu d'ouvriers. Les prédateurs vous attaquent. Oui, mais ça c'était pas nouveau ça. Elle est pas loin de la mort, hein. On va aller gérer ça là-bas, je crois. Ah merde, revenir à la caserne. Alors, qu'avons-nous à vendre? Rien. Ah oui, c'est pas mal. J'aime la qualité de rien vendre. J'ai rien à acheter non plus, donc en fait, excusez-moi madame, merci d'être passée. Mais en l'état, vous ne m'êtes point utile. Un animal est né dans le troupeau. Parfait. Et je peux encore avoir une naissance. On avait dit peut-être la fromagerie. Fromagerie, fromagerie, fromagerie. Ça serait dans nourriture. Fromagerie. Ah mais c'est 52 briques. Et 52 briques, je vous avoue que pour l'instant, c'est pas... Qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça mène plus de personnes, ça m'intéresse pas du tout. Mais améliorer ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Merde,